Salut, salut, j'ai les carreaux dégueulasses. Attendez, je nettoie un coup mes carreaux. Donc, on se retrouve pour. Je vais vous montrer mes liners pailletés. Tous mes liners pailletés. Et je crois que vous savez que j'ai une totale addiction pour ces petites choses-là. Donc, il y en a pas mal. Alors, quand je dis liner, c'est pas que des liners en fait. Déjà, pour commencer, il y a. Avec le mixing liquide de chez Révolution Pro, vous pouvez utiliser toutes les paillettes. Donc là, c'est mon tiroir de paillettes que j'utilise le plus. Parce que j'ai encore un autre tiroir de paillettes rempli de paillettes. Qui sont principalement des paillettes qui viennent de chez AliExpress ou Action. Ici, il y a NYX, Essence, Claire's, Sephora, enfin des choses comme ça, Front Cover. Voilà. Et vous mixez 2 gouttes de mixing liquide avec un peu de paillettes et ça vous fait un liner pailleté à mettre avec un pinceau liner tout simplement. Et j'aime beaucoup faire ça, surtout avec les bronzes ici de chez NYX. Le rendu est magnifique. Sinon, vous avez aussi les produits comme ça. Donc là, il y a ceux de chez Beauty Bay, il y a Infocalure et les High Glisten de chez Révolution. J'adore ces petites choses-là. Vous pouvez les mettre en aplat sur la paupière, en coin interne, mais aussi en liner pailleté. Et on va commencer avec les High Glisten. Donc moi j'ai les 5 premiers qu'ils ont sortis qui sont pailletés. Les autres c'est mat et métallique. Il me semble qu'il n'y a pas de paillettes dedans. Donc vous avez d'abord celui-ci qui est le Adorate by You. Donc vous avez le côté métallique ici. Donc vous pouvez vous servir des deux côtés pour faire un liner hein, tout simplement. Sauf qu'il y en a un qui est pailleté, pas l'autre. Et le côté pailleté que je vous mets juste à côté. Donc c'est les premiers que j'ai achetés et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ferai un close-up après de tous les Eagleston. Alors mon préféré, c'est le Yours Truly avec un côté rose gold. Donc le côté métallique est rose gold. Ils sont un peu vieux. Hein. Et les paillettes sont... C'est du vieux rose en fait. Elles sont juste magnifiques. Magnifiques. Je l'utilise beaucoup celui-ci. Bon, elles sont un peu plus dures à prélever parce que c'est vraiment des paillettes. Contrairement à l'autre. Donc j'essaie de piler un peu sec aussi. Donc voilà pour le deuxième. Les paillettes, on les voit un peu moins bien parce qu'il est un peu sec. Il faudrait que je remette une goutte de mixing liquide la prochaine fois que je m'en sers. Ensuite, vous avez un que j'aime beaucoup aussi. C'est le It's Fade avec un côté. Le côté métallique, il est bien beige en fait. Il me semble. Oui, c'est un beige. Un beige un peu métallique, comme ça, magnifique. Et les paillettes, c'est des dorées, mais des mors dorées. Pas des dorées jaunes, comme j'aime un peu moins. Elles sont mors dorées et elles sont juste sublimes. Je crois que c'est celui que j'utilise le plus, les paillettes. Magnifique. Trop beau. Ensuite, vous avez le Dreamland. Donc là, c'est un côté bronze. Le côté métallique est bronze. Et oui, très beau aussi. Et franchement, vous n'avez pas envie de vous casser la nénette, vous mettez ça sur la paupière mobile, vous vous estompez vite parce qu'il sèche très vite. Et ça vous fait un make-up. Et les paillettes dorées un peu plus jaunes. Oui, les côtés pailletés sont un peu plus secs que les métalliques. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés aussi. Voilà. Très joli. Et ensuite, vous avez le rouge qui est... Il me semble que c'est Desired. Mais la... Moi, c'est effacé, en fait, donc je ne sais plus. Avec un côté rouge bordeaux pour le métallique. Sublime, sublime, sublime. Et des paillettes rouges. C'est les seules paillettes rouges que j'ai, d'ailleurs. Enfin, avec du gel, comme ça. Hein. Voilà. Donc, voilà pour les High Glisten de Révolution. Donc, ensuite, j'en ai que un de chez Focalure, comme ça. Je l'adore, c'est le 01 Diamond. Je sais pas encore si je vais acheter les autres ou pas vu que j'ai tous les liners pailletés de chez Focalure en fait. Bon, il y en a que 5 hein, mais... Donc je vais vous le mettre ici en dessous. Mais alors les paillettes qui sont dedans. Oh my god. Il est canon, canon, canon. Je sais pas si vous verrez bien. Juste ici là. Oh, trop beau. Il est holographique rose bleu avec des petites paillettes rose et bleu dedans. Somptueux le bazar, somptueux. Donc je vais enlever ces swatchs là et on va pouvoir attaquer les Beauty Bay. Donc bien sûr j'ai des paillettes dans la main hein. Donc les Beauty Bay c'est les 6 premiers que j'ai. Il faut vraiment que j'achète les 6 derniers qui sont sortis puisqu'ils en ont ressorti 6 là.
Surtout le bleu, le vert, le pyrite. Et il y en a un autre. Il me semble qu'il y en a 4 qui m'intéressent sur les 6. Les autres sont un peu foncés. Alors, on va commencer. Je voulais mettre dans l'ordre ou pas? Allez, on va essayer de faire un petit classement des 6, bien que je les aime tous. Donc, vous avez d'abord le fluorite, qui là est plus un duochrome qu'un pailleté. Mais il est juste divin. Il est trop beau. Celui-ci, pour le coin interne, il est génial. Donc, ça, c'est le fluorite. Et encore, vous ne voyez pas la vraie teinte. Peut-être après en close-up, mais là il est rose. Je sais même pas le décrire comme il est. Ensuite, on a le rutile qui là est un peu plus bronze. Donc là, c'est un bronze avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, somptueux. Enfin, je crois que vous avez compris que je les adore, ces petits trucs là. Ils sont trop beaux. Ensuite, vous avez le Precious Topaz, comme ceci. Donc là, il est un peu plus champagne. Avec des petites paillettes argentées dedans. Oh, mais j'adore ce petit truc. Et donc, ces trucs-là, vous les prélevez sur le dos de votre main ou directement avec un pinceau liner sur l'embout et vous faites votre liner pailleté classique. Voilà pour le Precious Topaz. Ensuite, on a le Peach Quartz. Donc là, ben, comme son nom l'indique, c'est un pêche. Il est trop beau, avec des reflets roses, orangés, des petites paillettes roses. Oh, j'adore. C'est celui que j'ai le moins utilisé, mais il est tellement beau. Après, il va pas avec tous les make-up non plus. Mais il faudra que je le ressorte. Que je l'utilise. Il est trop beau. Ensuite, on a le Opal. Donc là, c'est un rose tendre, comme ça, très tendre. Avec des sous-tons bleus et des petites paillettes dedans holographiques, vert, bleu, doré, argenté, je sais pas. Trop beau. Juste ici, en dessous. Et pour terminer, mon préféré, c'est le Moonstone, qui est argenté. Voilà. Bon, après, tout le monde sait que je préfère... Enfin, tout le monde sait. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je préfère l'argenté au doré. Et il a vraiment des toutes micro-paillettes argentées dedans. Il est trop beau. Voilà. Magnifique. Et vous pouvez vous en servir aussi comme colle à paillettes si vous mettez celui-là sur votre paupière mobile et après vous tapotez avant qu'il soit sec des petites paillettes différentes. Comme ça, vous avez des tailles de paillettes différentes et des couleurs. Et ça tient très bien. Donc voilà pour les Beauty Bay et ça conclut les paillettes. Enfin, moi je m'en sers aussi en tant que liner, mais qui sont des fards liquides pailletés plutôt. Voilà, on va passer maintenant directement au liner. Donc d'abord j'ai des liners chromatiques de chez Essence, donc là j'en ai 3. Il existe 4 teintes mais moi j'en ai pris 3. Il y a un blanc, un rose et un cuivré copper, je crois qu'il s'appelle copper d'ailleurs. Ouais. Donc c'est le Copper of Love, je vais vous swatcher celui-là en premier. Oh, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà pour le copper, vous voyez qu'il y a des magnifiques reflets. Ensuite vous avez le rose qui est le Zinc My Way. Il est très beau celui-là aussi. Et enfin le blanc, c'est celui que j'avais acheté avant d'avoir le Suva Beauty. Et ça fonctionnait très bien, sauf qu'il était chrome et pas mat quoi. C'est le Steal My Heart. Voilà pour le blanc. Ensuite j'en ai 4 de chez Revolution, enfin de chez Revolution, qui sont de la collection Mermaid, comme ça, Unicorn. Il me semble que c'est Unicorn Fantasy Eyeliner. Donc vous avez ici avec un sous-ton bleu, un sous-ton vert, ici un bronze et ici un bronze. Alors le dragon c'est le dans cette teinte là bronze. Donc c'est pareil, ils sont chrome mais ceux-ci ont des petites paillettes en plus à l'intérieur. En même temps j'ai des paillettes plein la main. Juste ici en dessous et celui-là sur, enfin celui-là sur un fard. Vous mettez ça sur un autre fard à paupières, c'est canon. Ensuite vous avez le angel si j'ai pas de bêtises, ouais. Qui est dans les tons rose gold, comme ça. Un peu pêche, même limite. Alors, le pinceau est pas super pratique. Hein. C'est un embout dur, comme ça, en silicone. Surtout, ne pas frotter si vous le mettez sur un fard à paupières. Il faut le tapoter et après tapoter au doigt, sinon ça bouge toute la matière. Il est ici. Ensuite, vous avez le unicorn avec les reflets bleus. Il est trop beau. De toute façon, le unicorn et le mermaid, là, c'est les deux que j'utilise le plus. Parce qu'ils mettent juste un petit peu de reflet et quelques légères paillettes. Voilà. Il est beau, hein.
Ah oui, il est beau. Et le mermaid qui est le même mais en vert, enfin avec des reflets verts. Voilà pour le mermaid. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà pour les liners chrome. On va passer aux paillettes. Donc bien évidemment, mon appareil s'est encore coupé tout seul. Voilà. Donc, je vous montrais, on commençait avec les liners pailletés. Et le premier que je vous ai montré, c'est le Ice Diamond de chez Revolution, tout simplement, qui est juste ici au-dessus. Donc là, c'est un blanc argenté avec des petites paillettes multicolores. Il est somptueux. Le pinceau est un peu mieux que les High Earth Revolution, là, puisque c'est un pinceau souple, mais c'est une mousse, en fait. C'est pas encore topissime comme pinceau, mais franchement, il est bien et je l'aime beaucoup. Ensuite, deux que j'adore, ce sont les Kiko que je vous ai swatché juste ici. Donc, vous avez le 01 au-dessus qui est un doré vert bleu que j'adore. Et le 02 qui est un argenté en dessous. Pareil, on voit que je les ai bien utilisés. Hein, je les aime beaucoup, ça se voit. Et pour terminer, donc je vous disais, vous voyez, j'en ai pas tant que ça finalement. Ça m'en fait combien là? 6, 7? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ça va. Sans compter que je peux en faire autant que je veux avec ça. Mais c'est vrai que c'est tellement plus facile d'utiliser des petits liners comme ça que de faire un mélange soi-même. Mais enfin bref. Donc là, ce sont mes préférés de chez préférés. Ce sont les bims de chez Focalure. Je les commande sur AliExpress, sur la boutique officielle Focalure. Je crois que je les paye 2,50€ le liner. S'il n'y a que les 5 là, il n'y en a pas plus. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes parce que je les adore. Pour moi, ce sont les meilleurs liners sur le marché. Rapport qualité-prix, on ne fait pas mieux. Sans compter qu'en plus, il n'y a pas qu'une sorte de paillette à chaque fois dedans. Il y a plusieurs sortes. Donc c'est génial. Voilà, donc là j'ai utilisé le bleu pour ce make-up qui est le Galaxy. Et je vous mets le lien de l'IGTV en barre d'infos. Voilà, vous pouvez aller voir les IGTV, même si vous n'êtes pas sur Instagram. Mais vous pouvez aussi m'y rejoindre, c'est gratuit et c'est très bien. Voilà, j'adore Instagram. Donc, le premier, donc c'est le Galaxy. Alors, ils ont une texture un peu particulière. Il y a des fois, je dis bien des fois, où on a un peu de mal à en prélever. Mais une fois que vous comprenez le système pour les utiliser, ça va tout seul, tout seul, tout seul. Vous voyez que ici, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un beau trait de paillettes bleues, quoi. Et j'adore. Oh, je les adore. J'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres teintes. Plein de teintes. Un rouge, un vert, un je sais pas. Mais plein de couleurs. Au moins un rouge, un vert pour les fêtes, ça peut être sympa. Donc là, c'est le bleu, et à l'intérieur, il y a des petites paillettes. Il y a plusieurs tailles de paillettes et plusieurs couleurs, quoi. C'est génial. Elles sont holographiques, en plus. Je les adore, ces trucs-là. Je les adore. Ensuite, vous avez le améthyste, qui est le mauve. De toute façon, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors, je pourrais pas vous dire lequel je préfère. Après, il y en a deux que j'utilise un peu plus, parce qu'ils sont un peu plus neutres. Mais ils sont tous aussi beaux. Et à chaque fois que j'en utilise un, je me dis, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces liners. Donc voilà pour la teinte améthyste. Et dedans, il y a des petites paillettes mauves, roses. Oh, j'adore. Ça vous verrez mieux après sur le close-up, je pense. Mais je les aime. Donc ensuite, on a le Garnet qui est dans les tons roses. Ouais, pour moi, Garnet, c'est plus une teinte rouge, logiquement. Mais là, c'est plus du rose, en fait. Avec des petites paillettes, franchement, je sais même plus quoi vous dire. C'est beau et il y a plein de couleurs dedans. C'est trop beau, j'adore. Après, vous pouvez aussi mélanger les teintes. Hein. Si vous voulez un peu de mauve et de bleu, ben, hop, vous mélangez, vous mettez une couche de liner bleu, après un petit peu de liner de rose par-dessus, par exemple. De toute façon, je crois que vous le savez parce que je les sors très souvent dans mes make-up. Très, très, très souvent même. Donc, parce que chacun de mes make-up, j'en utilise un. Et ensuite, mes deux préférés, donc il y a le Platinum, qui est un doré champagne, comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Doré champagne, mais il y a aussi un peu d'argenté dedans, c'est un truc de fou. Donc, je vais essayer de vous mettre les liens de chaque
liner en barre d'info, bon, les bim là, ça sera tous le même vu que ça sera le même lien, mais voilà. Et enfin le Porty, qui est mon préféré parce qu'il est vraiment holographique, il est trop beau. Après vous voyez, je sais pas si vous allez voir la texture, ça fait un peu slime comme ça, et là en plus on dirait qu'il a fait un petit tas parce que ça fait un petit temps que je l'ai pas utilisé. Donc c'est un peu, je vous montre de plus près, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez comment ça fait au niveau de l'essoreur en dessous? Ça fait comme du slime en fait. Donc ça c'est celui qui le fait le plus quand même. Après c'est le premier que j'ai acheté. Mais il fonctionne quand même très bien. Hein. Voilà le parti ici en dessous. Oui. J'espère que vous verrez bien franchement tous les reflets, les paillettes, les reflets et tout, parce que c'est juste tellement beau. Il est tellement beau. J'adore. Enfin voilà, je crois que vous savez à quel point je suis accro à ces petites choses-là. Donc voilà, vous voyez que j'aime les liners pailletés. Donc j'attends qu'il y ait sur un site que j'ai fait une commande, que je devrais vous tourner le haul une fois qu'ils m'auront expédié, que j'aurai reçu tout ça. J'attends qu'ils rentrent les liners pailletés d'une marque que j'attends. Il y en a 6 différents, et là je pense que je vais prendre les 6 d'un coup. Voilà. Donc je vous en dis pas plus maintenant, vous verrez plus tard. Et je viens de voir que j'ai oublié de remettre du rouge à lèvres pour faire la vidéo. Ça c'est cool, tant pis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mettez un petit pouce bleu si vous aussi vous êtes accro au liner pailleté. Dites-moi si vous aimez et lesquels sont vos préférés, ou lesquels liner pailleté vous utilisez, vous aimez tout ça. Comme ça peut-être qu'il y en a que je testerai. Après c'est vrai que ceux de Urban Decay me tentent bien. Ainsi que les gels, là, les Heavy Metal, hein. J'ai bien envie de tester, mais bon... Je me dis si après il n'est pas d'une qualité exceptionnelle par rapport à ceux que j'ai, je vais regarder le prix quoi, parce que je me dis ceux-ci sont 2,50€ quoi, et ceux-ci ils sont 7€ je crois, 6 ou 7€. Ceux-ci sont à 7€. Voilà. Ils reviennent moins cher d'ailleurs si vous achetez le pack de 3. Moi je les ai reçus les 6 pour Noël de la part de ma belle-sœur et de mes beaux-parents. Et je suis très contente parce que je les adore. Voilà. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir, donc merci aussi aux dernières arrivantes et aux derniers arrivants potentiellement. Merci à toutes les personnes qui pensent aller faire un petit tour sur mon Utip. Vous avez le lien en barre d'infos pour aller remplir mon petit panier de cacahuètes. Et voilà. C'est gentil de votre part de regarder quelques petites pubs qui servent absolument à rien, à part me faire gagner un petit peu de sous, mais c'est gentil quand même d'y penser. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.